façon et s'écrivent pas de la même façon et n'ont pas le même sens. C'est quoi A? C'est quoi A avec accent? Et c'est quoi A avec S? Bon effet, la première. Alors A, c'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier. Et A avec accent. Bethany, c'est une préposition qui se trouve à la fin de la phrase. Et A avec S. Bethany, c'est le même verbe, oui, conjugué au présent à la troisième, à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu. Regardez l'exercice. Il a beaucoup de chance. Asseyez-vous et levez le doigt. J'ai le sujet. Je vais écrire tout simplement le verbe. Salimi. La première. J'ai le sujet, j'écris le verbe. La même chose. J'ai le sujet, vaisseau. La première. Très bien. Tu. A avec S. C'est le verbe avoir. J'ai, tu as. Et là, nous avons, vous avez, ils ont. Tu as. Il. La même chose. Il. Il. Bouktaya. La première, le verbe. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Oui. Vous avez bien compris? Oui. Oui. Et il a réussi? Oui, il va? A accent, la deuxième, avec dire. Avant, A avec accent, toujours le verbe ici, il est un infinitif. Oui? Ça y est, on a déjà dit, que A ici, c'est une préposition. Alors, je vais corriger. J'écris la première. La première. La troisième. La première. La deuxième. La deuxième. Est-ce que vous avez compris, les enfants? Oui! On ne crie pas. Et aussi, on a travaillé en et en. C'est quoi on et c'est quoi on? Rojdi. Assieds-toi, le méchant. Est-ce que on, c'est indéterminant? Non. Ça y est, assieds-toi. Bessor. C'est un pronom personnel. C'est un pronom personnel sujet. Pourquoi on appelle pronom personnel sujet, Aya? Parce qu'il remplace le sujet. Parce qu'il remplace le sujet. On ne crie pas. Donnez-moi les pronoms personnels sujet. Je suis, il, elle, nous, vous, il, elle. Je, tu, il, elle. Nous, vous, il, elle. On ne crie pas. Lorsque je dis je, tu, il, la il, c'est comme on. C'est la même chose. On, ça veut dire il. Vous avez compris? Oui. On l'appelle pronom personnel sujet parce qu'il remplace le sujet. Sujet. Et c'est quoi on avec T? C'est quoi on? On a déjà travaillé ça. Merci. Assieds-toi. Et sans, sans c'est indiqué.
non. Et sans, c'est le verbe être.